Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Agribé, la chaîne spécialisée en agriculture. Bon, c'est un peu une petite vidéo improvisée, mais c'est pas grave. En fait, ce qui se passe, c'est que j'étais en train de faire les recherches sur ma précédente vidéo. Je sais pas si elle va sortir avant ou après, mais le titre c'était comment augmenter la croissance de vos poulets à l'aide de peau de feuilles de mangue. Et en faisant mes recherches, j'ai vu quelque chose de bizarre. Il y a une société qui s'appelle AS, AS, je ne sais pas comment on prononce, AS, qui sont situés au Sénégal. Comme si c'est AS-là, c'est pour Sénégal, je ne sais pas. AS-là, ils sont spécialisés dans la vente de feuilles de mangue séchées. Les feuilles de mangue séchées. Et les gars ont emballé ça comme si c'était le thé. Donc, c'est genre, tu commandes ici, tu commandes là, après on va t'expédier ça. On met taxes inclus. Et un paquet comme ça coûte 2,90 euros. Donc, 3 euros. À peu près 1 500 comme ça là, ou bien 1 800, 2 000 chez nous. Donc, il a pris les feuilles de mangue. Les feuilles de mangue qu'on voit partout. Les feuilles de mangue partout qui tombent là, c'est le business de quelqu'un. Non, si c'est ça, moi je vais commencer à faire la même chose. Moi aussi, je gagne l'argent. Ça sert même à quoi de faire les vidéos sur YouTube. Quelqu'un vend les feuilles de mangue à 3 euros, mon frère. C'est quoi comme ça? Non. Et il y a les taxes. Il y a les taxes sur les choses comme ça. Attends. On choisit la quantité de paquets de feuilles séchées. Je veux 1, 2, 3. Et les gars ne diminuent même pas le prix. Si tu mets même 3, c'est toujours 7, c'est toujours le même prix. Ils ont leur propre système de paiement. Donc, ça, accueil, produit capillaire, infusion. Donc, c'est comme s'ils utilisaient ça comme un thé en fait. Ouais, un peu comme un thé. Et quand tu vois, c'est séché là, tu mets dans l'eau chaude, après tu bois le thé. Tu bois le thé aux feuilles de mangue séchées, le jus. Moi, je peux faire mon site comme ça, je commence à vendre les choses ici. Ça, c'est quoi ça? Bon, pas ça, c'est quoi ça quand même, mais c'est bizarre. C'est un business improbable, en tout cas. Je sais pas trop comment ils font. C'est sur quoi vous voulez réagir aujourd'hui. Bon, tout ça pour dire que l'agriculture est vaste, et comme vous venez de le voir, on peut faire du business dans n'importe quel domaine de la culture. Tu n'as pas forcément besoin d'aller au champ. La preuve en est qu'il existe certains business qui n'incluent pas forcément quelconque activité dans une exploitation agricole. Donc, bientôt ma vidéo arrive, ma vidéo sur les business les plus rentables en agriculture que j'avais enlevé et qui va refaire surface prochainement. Donc, d'ici là, je te dis à la prochaine. C'était Darius de la chaîne Agribia et je te dis ça.